Bonjour, 8h43, j'ai rendez-vous à 9h. Donc je vais faire mes petites racines. Attends, je me mets un petit peu de baume. Par contre, pour demain, c'est fort probable que j'annule mon massage cet après-midi parce que ça ne s'est pas arrêté, c'est même pire. Donc j'attends encore un petit peu et puis j'aviserai. Tenue du jour, tunique verte que j'ai achetée dernièrement avec le petit bouton là. Tellement confortable, j'aurais presque bien apprécié qu'elle soit dans d'autres couleurs et notamment j'aurais bien aimé bleu marine, un petit gris, ça aurait pu être sympa aussi. Allez, on est parti. Je me souviens pas avoir fait la queue pour rentrer à Leclerc, c'est bien la première fois. Ah, il est 8h56. Il est 11h30, voilà. On a fait comme un petit balayage, on a fait plus, mais plus fine. Je vais aller m'acheter juste ici, je pense, une salade et je vais aller prendre un sandwich. Vu qu'aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de choses à faire. Alors là, j'hésite sur les salades italiennes, parisiennes ou poulet. Il y a des tartines, elles sont immenses. Mais là, trop pour moi, en tout cas. Et vous savez quoi? Nous sommes le 28 juin. Et quand on était au sable le 21 juin, pour nos 15 ans, bon, j'en achète jamais. On était devant un tabac et j'ai dit tiens, si vous prenez deux grattes grattes. Et on a oublié. Ils sont là. Je viens juste de m'en rappeler. Mm-hmm. Ils ont peut-être fait des petits. Je ferai ça tout à l'heure en mangeant. Je crois qu'il y a un gars qui a passé une nuit difficile. Il est quelle heure? Il est presque midi. Ah, qu'est-ce que tu fais dans l'escalier? Le chat. Tu m'attends ou quoi? Mais non, mais je pas... Regarde, je suis pas très contente de ce que j'ai trouvé dans la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'entends? Ouais, regarde, ta cigarette électronique. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Et bah avec plein de liquide partout qui a coulé. C'est... Et ça sent la menthe. En plus, ça sent la menthe. Non, mais en plus... Non, mais t'es chiant. Ça s'en va avec de l'eau? Tu le savais? Oui. Alors, tu peux le dire aux gens? Alors, t'aimes bien ou pas? C'est bruit, bon, c'est comme d'habitude, bébé. Comment je... T'es tellement prévisible, mais oui, non, mais oui, t'as raison. Non, mais t'as raison en plus. C'est du plomb californien, ça. Il a mangé? Oui. Oh yeah. Attends, on dirait que le gars, il a pas mangé depuis je sais pas combien de temps. Ah oui, t'as toujours pas regardé si on avait perdu ou gagné? Bah justement. De toute façon, je suis milliardaire. Et... Ça se trouve, on est milliardaire, bébé. Là, depuis tout à l'heure, je me restreins pour commander sur Amazon. T'as qu'à mis de l'eau? Bah j'ai lavé, oui. Ah très bien, parce que j'ai cru que c'était... Bah j'ai lavé à quoi hein? Et tu sais quoi? Moi, je vais pas manger tard. Hein. J'ai faim, en fait. On commençait le veto. Alors du coup, moi je me suis pris la petite salade italienne dans laquelle il y a du jambon de pays, mozzarella. Ok, et moi surtout. Comme je sais que t'aimes le poulet, je t'ai pris un. Sandwich ou poulet? Ouais, mais je crois que j'ai pris curry aussi. T'as pris? Curry, parce qu'il n'y a pas de mayo, il y avait une petite sauce yaourt plus légère. Très bien. Comme je sais que tu fais attention à ta... Il est 13h50, je pars, je sais plus si je vous l'ai dit, je dois... aller dans un garage pour chercher ma maman qui a déposé sa voiture, je la ramène chez elle, après je rentre, je finis de bosser à la maison et après j'y retourne pour la redéposer, j'ai récupéré sa voiture. Ça doit être ça. Ça y est, j'ai ramené ma maman, j'ai profité, j'ai été à la laverie faire laver ma voiture qui avait un peu souffert avec les goélands au sable. Et là on va commencer à galérer pour trouver une place. Ce week-end ce sont les médiévales du Noise. Et il y a plein de... Bonjour toi. Il y a plein d'endroits où tu peux pas te garer. Bah alors? T'es qui toi? Je ne te connais pas mais tu sembles heureux de me voir. Tu sais que je peux pas trop te caresser parce que Jack il va le sentir ça. Il va faire la tête à sa mère après. T'es belle on dirait. Tu es une... Oh ça ronronne ça. À partir de demain on peut plus se garer. Dans aucune des rues. Mais moi je dois partir déjà vendredi. Il faut que je t'avoue quelque chose, mon Jackie, je t'ai fait des infidélités. Mais oui. Mais non. Oh, tu es beau, toi. C'est bien gentil, les salades, mais... Bah, j'ai faim, je vais me manger une mangue. J'ai toujours pas annulé mon rendez-vous pour demain. Je suis encore en réflexion, pour être tout à fait honnête. Exceptionnel. J'aime trop. C'est le lendemain. Nous sommes partis dans le Loir-et-Cher, à Blois. J'ai appelé pour annuler mon massage Renata sur charpe parce que bah c'est pas terminé, j'ai toujours mal au ventre donc je me suis dit c'est pas vraiment ouf de le faire maintenant. Là il est midi, on a roulé pendant 2 heures alors que Blois c'est pas à 2 heures de route, mais on a fait plein de petits villages dans le Loir-et-Cher et là il doit être midi, on va aller manger puis on va se balader aussi. Il fait bon, ça va, il y a un petit peu d'air. Blois c'est à combien de kilomètres de chez nous?
Pas tant que ça, je dirais 70. Ouais, c'est ça, j'aurais dit. Ouais. J'aurais dit entre 50 et 100. Entre 50 et 100, oui. Oui, donc c'est pas 100. Je sais pas. Ah, c'est beau ici aussi. L'Oratoire, c'est un restaurant. Bar ambiance cocktail. Oh, ça y est, on l'a perdu. Tu veux qu'on boive un petit cocktail là ? Vous savez ce qu'il a trouvé comme excuse pour pas y aller ? J'aime pas les endroits où il y a des grilles. Non, j'aime pas les endroits où il y a des grilles, mais qu'il y a des grosses voitures allemandes qui peuvent rentrer. J'aime pas les endroits où. Comment dire ? Comment ça s'appelle ? Tape à l'œil. Ou tu sais oui, où. Un peu matu. Un peu mal et matu, ça je déteste. Matu. Alors moi, tu sais, les endroits où il y a un petit parking pourtant, avec. Pourtant, ta nana, elle est un peu matu vu, non ? Non, au contraire, c'est quelqu'un de très simple. C'est vrai. Qui s'ignore. Attends que ça soit ouvert. Mais non. Vert. Ça, c'est pas vert. Allez hop. Allez, à tout à l'heure. Non. Bah oui, mais on a gagné 20 euros. Je reprends. Bonjour. C'est mignon quand même, les petites ruelles, là. Qu'est-ce que t'as dit ? Si, il y a des gars qui ont des super tatouages sur les bras. Et moi, sur les bras, j'ai que de l'eczéma. Donc je dis... Oh, regarde. Ah, c'est là, le là. Sephora, il est là. Regarde en même temps. Moi, je lui disais la place qu'il a envie, enfin, qu'il cherchait. Je fais, c'est là. Et lui, Sephora que je voulais. C'est beau. Mais comme ça, tu vois, on est rassuré. Mignon. On est bien sur la place des restos, ça sent. Ça oui, sent bon. Hein. Cul, là. Bon, non, on est au Clipper. C'est une grande brasserie qui est italienne. Le Duc de Guise. Ouais, je vais prendre un petit tartare de saumon coupé au couteau maison. T'as vu ? Saumon frais mariné citrouille, copeaux de grana padana, échalote, frites maison, bouquet de salade, gingembre, ciboulette. Walking Dead, t'as pris et il tabasse pas. Non, ça n'a rien à voir avec ce moi, que j'ai tu pas sais. Un roseberry avec un peu de fraise. J'avoue que du plat, je suis un peu déçue. Je m'attendais un petit peu plus quand même. Elle est bonne ta pizza, stracciatella au chocolat. Delicious. Je sais pas pourquoi ça s'appelle stracciatella. Non, là, je peux pas du tout, le tartare de saumon, il est trop fort. Mais là, c'est pas... Non, je peux pas, hein. C'est gênant, mais je vais être obligée de leur dire que je peux pas le manger, hein. Bon, je suis poussée aussi. Ils ont été très pros, ils ont compris, ils me l'ont ramené, ils m'ont apporté une pièce du boucher avec double dose de frites, et vraiment très bien, et je me suis régalée. Très très bon. Au niveau du dessert, il y a eu un petit... T'as pris quoi ? Ah, Dame Blanche. Wow. Deux boulements de chocolat et j'ai mon café qui arrive. Où suis-je ? J'ai laissé Eric. Non, mais je comprends. Moi, je... Il râle. Parce qu'il voulait pas aller dans une grande ville l'été. Et c'est vrai, il fait chaud, il y a des odeurs. Bref, j'ai trouvé. J'ai fait une promo. Je vous montrerai. Allez bébé, on y va. C'est vrai que ça sent fort là. Il échappe fort. Ouais, ça sent fort. Mais je pensais que c'était que en Provence. À l'avant. Je sais pas. Ah bah si, si, vu l'odeur, si. Oui, non, mais en règle générale, les gens adorent l'odeur de la lavande. Hein. Non, mais là, moi, j'aime pas trop, mais là, elle est pas comme dans les toilettes. Ouais. Elle est plus douce. Non, on a roulé ici. Les couleurs sont... Non ? Sont chatoyantes. Ah oui, non, c'est, par contre, c'est super joli. Hein. Oh, ça va. Qu'est-ce qu'il prend ? Hein ? C'est un excité. Eric, il était pas bien, vous savez, quand je vous ai quitté à Blois, il était blablabla. J'ai une petite oppression, tu vois. Eh ben, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas mécontente d'être rentrée. Beaucoup trop chaud, beaucoup trop de monde. Quand on est rentré à la voiture, parce qu'on se demandait pourquoi il y a autant de monde, il y avait 7, 8 cars. Il y avait des Anglais, il y avait, nous on a mangé, il y avait des Canadiens, il y avait des Espagnols qui arrivaient. On a parlé avec la serveuse super, franchement là on était hyper pro et elle nous disait qu'elle c'était en continu le service puisqu'il y avait beaucoup notamment d'Espagnols là, qui arrivaient et donc c'était en continu mais on sentait la pollution de la ville. Je vous dis, Eric il a eu comme une crise d'asthme, il commence à me faire flipper, il me dit j'ai l'impression que quelqu'un m'appuie ici, je fais d'accord. Donc on n'a pas traîné vraiment, on a fait Sephora et on est rentré direct. Voilà. Ça va mon Jackie ? Donc j'ai trouvé, et ça c'est cool, un petit coffret comme ça, donc clinique, où il y a trois produits dedans. Il y a un full size, donc crème très hydratante, c'est génial. On a un contour des yeux et un petit spray, je connais pas. Coup d'éclat complet et fini, donc 30% dessus, ce qui veut dire qu'au lieu de 41, je l'ai payé 28. Qui est plutôt très appréciable. On est en plus, voilà, oui, carrément. Et c'est un format full size.
le spray. Donc ça, c'est un spray peau déshydratée. Ah, nickel! Spray visage désaltérant. Donc, je vais regarder à quel moment tu dois le mettre. Je ne sais pas si ça se met, par contre, sur un maquillage. Tout doit être écrit, mais enfin, voilà. Et on a un contour des yeux. Le contour des yeux. Qu'est-ce qu'ils disent pour ce spray? Mais ils disent pas grand-chose. Non, ils développent pas plus que ça. Je regarderai, moi. Sur Internet, ça sera plus simple. Et j'ai pris également ce coffret. Je voulais le prendre depuis un moment. Donc, c'est pour les yeux. C'est deux globes. En fait, c'est pour venir masser les yeux. On vient le mettre soit au frais... Ouais, pas au congélateur, donc au frais. Ça vient décongestionner, ça vient masser, ça vient en fait faire beaucoup de bien, le côté froid. Et ça me fait un moment que je voulais me le prendre. Un set de deux globes rafraîchissants réutilisables, idéal pour apaiser, masser le visage et le cou. Ah d'accord. D'accord, tu peux le faire aussi dans le cou. Donc faut le nettoyer à chaque fois, bien évidemment. C'est son utilisation régulière aide à rendre la peau plus lumineuse. Placer les globes, voilà, rafraîchissant dans l'eau. Ah, d'accord. Soit dans de l'eau froide ou au réfrigérateur au moins 10 minutes avant utilisation. Appliquez votre crème ou sérum préféré sur une peau propre et sèche et massez délicatement. D'accord. Ah, tu le fais avec des soins. Moi, je l'aurais fait sans, donc ok. Par contre, ils te mettent ne pas mettre dans le congélateur. D'accord. Chose que j'aurais pu faire également. Ah, putain, on est crevé. Je crois qu'Eric, là, je crois qu'il est parti s'allonger. Je m'en veux. En plus, je sentais qu'il voulait pas trop aller dans une grande ville. Il m'avait dit, ouais, voilà, chaud. Bref. Voilà, vous voyez, dedans, donc forcément, du liquide. En fait, tu viens faire des petits mouvements. Oh, ça va me plaire, ça. Je sens que ça va me plaire. Combien je l'ai payé? 18. 18 euros, me semble-t-il. Alors, attends. Oh, qui m'appelle? C'est des conneries, attends. Ah bonjour, comment allez-vous? J'ai cru que c'était... Ça va, c'était le papa d'Eric, j'ai failli encore... putain, je pense que c'est pour tout le monde pareil, mais alors les démarcheurs, en plus nous on est liste rouge en fait. Mais ça appelle sans cesse et en général ça te raccroche au nez aussi. Oui, j'en étais où? Les globes, le prix, je voulais quand même confirmation. Ah oui, c'est ça que je cherchais, mais je trouve pas, mais... Vraiment, il me semble que c'était 18. 18 euros. Voilà, je vais les mettre tout de suite au frais. À quoi qu'ils disent 10 minutes, donc ça sert à rien que je les mette maintenant, je les ferai ce soir. Eric m'a dit non mais c'est bon, c'est fini là d'aller dans les grandes villes l'été quand il fait chaud. Je sais. Vous savez ce que je vais faire là? Je vais ranger, il est 4h et je vais monter bosser. Franchement, à la base, je pensais qu'on allait rentrer vers 19 voire 20h, même peut-être pousser manger là-bas. Mais... Bon, j'en profite comme ça, je vais encore m'avancer. Est-ce qu'on a un baby qui est content de revoir sa maman, son papa, la bêtise? La bêtise? Elle est où ta baboule? Il veut beaucoup, beaucoup jouer. Ça, c'est génial. Il joue énormément. Et en fait, il me balance sa boule dans les jambes pour que je joue avec. T'es joueur? Ouais, très. Par contre, fais l'effort, ramène la baboule quand même. C'est maman qui va tout faire. Oh, loulou, ça a loupé un truc. Oh, la tête de folle. Il a sauté en l'air! Je vous montre. Peut-être il va le refaire. Peut-être. Ne me fais pas mentir, ma jaquette. Montre. Bon, c'était mieux tout à l'heure. Bah, il va s'endormir avec sa baboule. Vous l'avez vu ramper? Regardez ses pattes. Regardez. Regardez les deux papates. Il va ramper normalement jusqu'à la baboule. Allez, va chercher. Voilà, merci. Coucou, je me dépêche. Il est 10h39, j'ai rendez-vous à midi sur Orléans. Bon, je suis quand même pas mal, mais j'avais dit que je partais un petit peu plus tôt que d'habitude. Je voulais revenir parce que ça m'a quand même épaté cette histoire de champ de lavande. Moi je suis quand même située en Beauce, là où vous avez vu le champ, c'était plus très loin de chez moi, et du coup j'ai regardé un petit peu et il s'avère que c'est tout à fait normal. Alors c'est pas de la lavande, c'est du lavandin. En fait c'est une espèce hybride qui est issue d'un croisement entre plusieurs espèces de lavande. J'ai vu également après la Provence le lavandin
se fait une place dans la Beauce. Donc c'est quelque chose qui est exceptionnel. Et c'est bien pour ça que j'étais un peu étonnée. C'est un pacte, en fait, qui a été fait pour notamment, je crois, de la production d'huile essentielle. En même temps, ici, on est quand même dans le secteur de la cosmétique vallée. Ouais, c'est ça, vers Chartres. Voilà, bah écoutez, je me coucherai moins bête. Et ça m'étonnait, parce qu'il y en avait partout. Vous avez vu très peu, mais il y en avait partout, partout. Et j'avoue, c'est très joli, même si ça sent très fort. Ce week-end, à partir de ce soir, commence, comme je vous ai dit, les médiévales du Noise. Avant, c'était la Forlaine. C'est jusqu'à dimanche soir. Il y a pas mal de choses qui vont être faites. Est-ce que je vais y aller? Certainement. Je vais me balader de temps en temps. Je vais certainement également filmer. Il y a quand même 30 000 personnes d'attendues. C'est quelque chose d'assez important. Et en plus, je vis au cœur de cet événement. Donc forcément, même si je ne sors pas, je vais être dedans. Voilà, bah écoutez, je vous fais un gros bisou parce que sinon, je risque d'être en retard et j'ai envie d'y aller cool, tranquille. Je roule pas de stress, quitte à arriver un peu en avance. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à dimanche pour un nouveau vlog. Je vous embrasse. Ciao !